Chou, aujourd'hui on se retrouve à Toronto, une ville totalement différente. On est à 5h30 de route à peu près de Montréal. On a la chance avec Lily d'avoir la visite de ma mère et ma tante qui sont venues pour à peu près une semaine ici. Donc voilà, on a profité avec elle pour aller visiter une ville différente de Montréal. On a visité légèrement hier après-midi, on était un petit peu fatigué parce qu'on s'était réveillé la veille à 6h du mat pour pouvoir mater le match de foot. Le premier match de la Coupe du Monde qui opposait la France à l'Australie. Match de merde en plus, on n'a vraiment pas eu de chance. Enfin bref, on est arrivé ici vers 16h, on s'est arrêté pour manger, on a pris un peu notre temps. Et on a plus fait les magasins qu'autre chose. Je me suis trouvé une petite paire de pompes sympa. Et puis voilà, j'avais pas sorti mon appareil à part pour faire un petit restaurant parce qu'on a trouvé un petit restaurant hier soir qui était vraiment magnifique. Et du coup j'en ai profité pour filmer légèrement, donc je vous montrerai les images de ce resto à la fin de ce vlog-ci. Donc aujourd'hui le programme, on va faire la CN Tower forcément, qui était d'ailleurs, petite anecdote, la tour la plus haute du monde avant que le Burj Khalifa à Dubaï soit construit. Et puis ensuite on ira faire sûrement le marché qui s'appelle, mon amour, comment il s'appelle le marché? On ira faire Kensington Market. Et ensuite on se dirigera vers... C'est quoi le troisième truc? Ok, ensuite on ira vers la distillerie historique district. Voilà, c'est les trois choses qu'on a choisi de faire. Parce que bon, il y a vraiment pas mal de choses à visiter dans Toronto. Mais on y est ici que pour un jour. Et puisque demain, on se retrouvera aux chutes du Niagara. Donc à 1h30 d'ici à peu près. Et ensuite, le lundi soir, donc demain soir, on retournera sur Montréal. Pour tous ceux qui ont déjà visité New York et qui regardent cette vidéo sur Toronto, vous allez voir, franchement il y a vachement de similitudes. Enfin moi qui ai fait un an à New York, il y a vachement de choses qui ressemblent. C'est hyper impressionnant. Bon, New York ça reste quand même plus large et plus grand que ça, mais c'est vraiment hyper impressionnant la ressemblance qu'il y a dans les rues, les bâtiments, les feux rouges, les passages piétons. Enfin tout se ressemble un peu quoi. Bon, on arrive quasiment au pied de la tour, elle est juste là. Mais c'est impressionnant parce que juste à côté il y a un stade. Je pense que c'est le main stade de baseball de Toronto. Et il y a leur équipe qui joue, donc là c'est archi blindé partout. C'est incroyable, du coup c'est cool, on est vraiment dans l'ambiance de la ville. Il y a du monde partout, les parents sont tous avec leurs enfants, ils ont tous le gant de baseball. Bref, c'est super sympa. Bon, je pense qu'on va se retrouver en haut de la tour pour une petite vue sympathique et panoramique de toute la ville. On a vraiment l'impression que c'est un faux, c'est pas vraiment le vide.
Lily nous a trouvé un petit endroit super sympa. C'est vraiment une ville dans la ville. Donc on est entouré de vieux bâtiments avec des vieilles charpentes, de la vieille brique. Il y a pas mal de déco assez ancienne et assez stylée, un peu comme ces tonneaux. Ce quartier s'appelle Distillery District. C'est Lily qui a choisi ce quartier et on a dû faire un choix du coup de choses à visiter parce que comme je vous avais dit, il y a vachement de choses à voir à Toronto. Contrairement à Montréal où c'est plus une ville qu'on vit, Toronto c'est vraiment une ville qu'on peut visiter. Il y a énormément de quartiers différents et énormément de choses à voir. Du coup voilà, on a fait CN Tower ce matin, on est dans le Distillery District maintenant et ensuite on se dirigera vers le marché qui s'appelle... Et il paraît que c'est un peu un marché qui ressemble un peu comme à Camden Market à Londres, avec des rues hyper verdoyantes, hyper colorées, des choses un peu à droite à gauche partout. Mais en tout cas, voilà, quartier hyper sympa si vous êtes sur Toronto, allez voir ce quartier, je le recommande. Distillery District, je le recommande, hyper cool. Hyper particulier putain pour choper un ticket de tramway ici. En fait c'est pas des tickets déjà, c'est des espèces de petites pièces et vous pouvez pas forcément l'acheter directement dans le tramway. Il y a pas déjà de station pour attendre le tramway, c'est vraiment tous les croisements de rue quasiment. Il y a juste un petit panneau qui t'indique que c'est ici que tu dois prendre ton tramway. Et en gros il faut aller dans les magasins style les Pharmaprix qu'il y a à New York, à Montréal, les fourre-tout, il y a vraiment tout n'importe quoi et pouvoir en acheter directement à la caisse. C'est 5 minimum, donc si vous êtes 4 comme nous, ben on en a un de trop qui sert à rien. Et voilà, assez particulier, en plus personne n'arrivait vraiment à nous expliquer comment ça fonctionnait. Mais bon, on a réussi. Super journée, hyper épuisant parce qu'on a vraiment marché à droite à gauche, on a pris qu'une seule fois de tramway pour pouvoir vraiment profiter de la ville et se balader à droite à gauche, vraiment découvrir tout ce que Toronto pouvait nous offrir en un jour, parce que c'est pas facile de vraiment visiter une ville de cette taille là en une seule journée. Mais bon, je pense qu'on a bien géré le truc, on a essayé de, voilà, on a fait les spots je pense les plus sympas. La petite rue qu'on a faite là en dernier était vraiment super sympa, ça vaut pas Camden Market à Londres. Mais c'était vraiment sympa, c'était hyper atypique, ça changeait vraiment du centre de Toronto où on a l'habitude de voir les grandes tours, les grands gratte-ciel, les choses comme ça. Donc voilà, bon là je pense qu'on va monter sur le toit, il y a un petit jacuzzi, un petit truc comme ça, on va aller se rafraîchir. Et puis je vais vous laisser avec les images d'hier que j'avais fait au restaurant. Et puis on se dit à demain au Niagara Falls. Bye!
Putain, on vient de se faire un restaurant. Franchement, tous ceux qui un jour vont sur Toronto ou qui ont déjà été et qui pourront y retourner, allez vraiment au Cactus Club Café. C'est sûr, c'est le croisement entre Bay Street et Adelaide West. C'est vraiment un restaurant, mais excellent. Et c'est pas trop cher. Franchement, on s'en sort super bien, mec, avec un petit cocktail, un petit truc. Et c'était une tuerie.